Orto.com. Comme une vache espagnole. Mademoiselle, je ne comprends pas ce que vous venez faire ici. Travailler, vous en avez de bonnes. Vous ne pouvez utiliser ni ordinateur, ni téléphone, ni même un fax. Oui, mais ces mesures sont prises pour m'aider à me désintoxiquer. Vous désintoxiquer? Ah, je ne connaissais pas ce nouvel aspect des activités bancaires. Et vous êtes accro à quoi? À la spéculation. C'est plus fort que moi. Dès que je vois des courbes sur un ordinateur, il faut que je spécule. Et quand je prends un combi, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de donner des directives. Même par fax, comme au 20e siècle, je donne des ordres. Alors parfois, ça marche. Puis là, parfois, ça provoque des catastrophes. Mais enfin, pourquoi ils ne vous ont pas licencié? Parce qu'il est interdit de virer des gens qui ont contracté une maladie professionnelle. Un licenciement économique, alors? Oh, ils ont préféré m'envoyer ici, à cause de mon salaire. Votre salaire? 40 000 euros par mois. Et j'ai 15 ans d'ancienneté. Ah, bah dis donc. Ben, remarquez, mes collaboratrices gagnent un peu moins. Oui, elles sont plus faciles à licencier. Vous savez quoi? Je vais vous mettre avec Gwendoline. Ah oui, ben, je ferai tout pour lui être utile. Ah ben, vous corrigerez ses fautes d'orthographe. Vu son niveau, ça justifierait presque votre salaire. Ah oui, mais j'ai une maîtrise de français. Je pourrais même lui donner des cours. Si vous réussissez à ce qu'elle ne fasse plus de fautes, je crois que vous pourriez aller jusqu'à réclamer une prime. Ah non, ne me parlez pas de prime. Je risque une rechute. Ah, je vous prie de m'excuser. Frère! Ben vous voyez, quand vous pouvez faire la vache, vous mettez un accent grave. Frérot! On ne peut pas faire la vache. Oui. Accent aigu. Élève. Élève! On peut faire la vache. Donc devant le V, on met un accent grave. Élève. Accent aigu au début. Oui. C'est quoi ça? C'est un site sur lequel on voit les cours de la bourse. C'est marrant. Il y a des cours qui bougent tout le temps. De temps en temps, je fais un copier-coller. J'ai un copain qui fait des peintures abstraites. Il s'en sert pour les tableaux. Oh, celui-là, il est génial. Je l'imprime. Sinon, vous avez d'autres trucs pour les accents? Oui, quand le E est suivi d'un X, comme extraire, ou de deux consonnes identiques, comme erreur, il n'en faut pas. Regardez celle-là, avec la flèche qui descend. Oh, elle est géniale. Oh, c'est le moment d'acheter. J'imprime. Si vous avez un ES accentué à la fin d'un mot qui n'est pas la marque d'un pluriel, c'est toujours un accent grave. Comme accès, excès, après, et procès. La courbe remonte. J'imprime. Oh, je le savais, je le savais. Oh là là, vous ne voulez pas que je vous fasse une dictée pour tester vos accents, hein? On va écrire sur un mail. Bonne idée. Les correcteurs sont moins bons. Allez, voici les décisions. Ici, aigu, oui. Impératif d'agape. Impératif. Voilà. J'achète. J'achète. Grave. Pour 30 000 euros de la société Aguerre. Aguerre. Oui. Grave. Et m'en débarrasse. M'en débarrasse. Le 22, j'insiste. Hein. Tout doit être réglé. Réglé. Aigu. J'acquiers. J'acquiers. Grave. Oui. 30 000 barils de pétrole. Pétrole, mon aigu. Pour la société Parette. Parette, grave. Oui, on va faire une VAD. Une VAD. C'est quoi une VAD? Une vente à découvert. On cède. Cède, grave. Pour 30 millions d'euros d'actions. Le 11 de ce mois. Qu'on achètera le moment venu. Achètera. Oui, c'est grave. Ça, allez. Vous êtes marrant quand vous dictez. Moi, je l'envoie où ma dictée sans faute? Là. Madame l'Académie, à cause ou grâce à votre orthographe, j'ai fait une rechute. Mais si la banque gagne de l'argent grâce à elle, il n'y aura pas de problème. À la fin du mois, je vous louerai ou vous détesterai, et c'est cela qui m'excite.
bon. Ce restaurant était excellent. Excellent. Mais je suis un peu confus. Vous m'avez invité. C'est 700 euros tout de même. Oh, c'est peu de choses. Mademoiselle Bigot, permettez-moi de vous présenter Candice Agape, une nouvelle collaboratrice. Mademoiselle Bingo. Un des piliers de cette banque, oui, qui était en vacances et qui a eu un bronzage qui lui va à ravir. Oh, hein? Monsieur le Président. Bon, on va dans mon bureau. Au fait, vous avez envoyé la dictée de ce matin? Avec les trucs qui montent et qui descendent? Oui, oui. Oui, oui. J'ai même pas fait une faute d'orthographe. Oh, c'est bien. Merci. C'est qui celle-là? Une nouvelle. Elle a été engagée pour me faire faire des dictées. Vous devriez la voir quand elle dicte. Elle est marrante. Vous avez vu comme le président la regarde? Ah bah elle lui fait découvrir les plus grands restaurants de Paris. À mon avis, elle doit avoir des prix. Oui, mais c'est pas une raison pour la déshabiller du regard comme ça. Bon, c'est comme ça les hommes. On les tient qu'avec l'estomac. Oh, ma chérie, oui, ce soir, je passe chez vous. Lauriane, écoute-moi. Je passe chez vous et je t'explique tout ça. Y a pas de problème. Je t'embrasse, oui. Bisous, ma chérie. Au revoir. Ah, les enfants, c'est quelque chose, hein. Bah, on va demander à Candice. Candice! Non. Vous allez voir, elle a sûrement un truc. Ah, la nièce de Mademoiselle Bigot n'arrive pas à distinguer l'accent grave de l'accent aigu. Vous avez un truc? Oui, bien sûr. Mais je peux me débrouiller toute seule, hein. Enfin, je comprends, Mademoiselle Bingo. Savoir accepter une aide est une preuve d'intelligence. Monsieur le Président, je sais me débrouiller toute seule, je vous assure. Je suis sûr que Candice a une solution à votre problème. Mais bien sûr, il me faudrait un paperboard. Oh, il lui faudrait un paperboard. Il y en a un là-bas. Venez. Allez, Mademoiselle Bingo. Il faudrait ça, moi. Oui, allez, venez. C'est, vous allez voir. C'est... Et le professeur de français, vous savez. Nous n'engageons pas n'importe qui ici. Je garde la maison. Alors, Mademoiselle Bingo, vous prenez un marqueur. Et vous mettez dans le coin supérieur gauche de la feuille. Le coin supérieur gauche de la feuille, Mademoiselle Bingo. Voilà. Vous dessinez un escalier qui descend. Ah, un escalier qui descend, Mademoiselle Bingo. Oui, ça suffira, Mademoiselle Bingo. Ensuite, vous dessinez une ligne qui symbolise quelqu'un qui tombe dans l'escalier. Oh, quelqu'un qui tombe. Quel suspense, Mme Bingo. On se demande où elle va en venir. Une ligne. Voilà. Alors, ensuite, vous dessinez un E en dessous. Un E, Mademoiselle Bingo, un E. Allez-y. Voilà. Et ensuite, vous représentez la même ligne sur le E. Voilà. Voyez? Oui. Un homme qui tombe dans l'escalier, c'est grave. Oh, tomber dans l'escalier, c'est grave. L'accent grave, Mademoiselle Bingo. Mais vous êtes un véritable cerveau. N'est-ce pas, Mademoiselle Bingo? Il y a eu un crack boursier. Quoi? Oh, non, ne vous inquiétez pas. C'est chaque année maintenant, les crack boursiers. Même pas peur. Vous êtes sûr? Oui, toutes les courbes descendent. Ça va faire des peintures à frais géniales. Bon, il faut que je vous laisse. Mais non, enfin, aucune raison, voyons, restez, enfin. Il faut que je parte. Mais... Je vous envoie ma démission. Enfin, vous allez où? Loin, très loin. Bah, et mes dictées sur mail. Bon, quoi? Oui, elle me faisait faire des dictées sur mail, c'était génial. On paye des gens pour ça, nous. Est-ce que je pourrais voir ces dictées? Madame l'Académie française, ce petit mail pour vous dire que j'ai décidé de rejoindre les gens qui condamnent la dictée comme outil pédagogique. Et ne me demandez pas pourquoi! Orto. Gaffe! .com. Comme une vache espagnole.